Alors, il faut très très compliqué, beaucoup de matériel. Il faut d'abord un pot de conserve, c'est bien, sans le joint. Il faut qu'il soit bien propre, pas de produits vaisselle dedans, donc bien nettoyé. 50 g de farine. L'idéal, c'est la farine la plus complète possible. Farine de seigle si vous avez, sinon farine, moi j'ai pris de la 80 là. Et puis, donc 50 g. Et 50 g d'eau. D'eau de source, c'est fait. Vous mettez tout ça dans votre pot. Vous rajoutez l'eau. Vous mélangez bien. Voilà. Et là, très important, on laisse reposer pendant 3 jours. Donc le pot, il ne faut pas qu'il soit complètement étanche parce qu'il faut que l'air puisse circuler pour que le levain puisse se nourrir et communiquer avec l'atmosphère. Un tuto sur la pâte de coing, mais ça c'est pas la saison.